Bonjour à tous. Je vais continuer l'histoire d'une âme de Sainte-Thérèse de Lisieux. Elle raconte sa vie. On est rendu au 7 août. Sœur X, qui est partie, voulait me faire ses confidences, bien que je ne sois plus prieur. Ne l'écoutez jamais, même quand elle serait comme un ange. Vous seriez bien malheureuse, parce que vous ne feriez pas en cela votre devoir. Ce serait de la faiblesse qui ferait certainement de la peine au bon Dieu. Oh, que le bon Dieu est peu aimé sur la terre, même des prêtres et des religieux. Non, le bon Dieu n'est pas beaucoup aimé. Elle me montra la photographie de Notre-Dame des Victoires, où elle avait collé la petite fleurette que papa lui avait donnée au buissonnet, le jour où elle lui avait confié sa vocation. La racine en était détachée et le petit Jésus a l'air de la tenir dans sa main et de lui sourire ainsi que la Sainte Vierge. Que la petite fleur ait perdu sa racine, ça vous dira que je suis au ciel. C'est pour cela qu'ils me font si gentil. La Sainte Vierge et l'enfant Jésus. Oh, si j'étais infidèle, si je commettais seulement la moindre infidélité, je sens que je le paierais par des troubles épouvantables et je ne pourrais plus accepter la mort. Aussi, je ne cesse de dire, ô bon Dieu, ô mon Dieu, je vous en prie, préservez-moi du malheur d'être infidèle. De quelle infidélité voulez-vous parler? D'une pensée d'orgueil entretenue volontairement. Si je me disais par exemple, j'ai acquis telle vertu. Je suis certaine de pouvoir la pratiquer, car alors ce serait s'appuyer sur ses propres forces. Et quand on en est là, on risque de tomber dans l'abîme. Mais j'aurais le droit, sans offenser le bon Dieu, de faire de petites sottises jusqu'à ma mort. Si je suis humble, si je reste toute petite. Voyez les petits-enfants. Ils ne cessent de casser, de déchirer, de tomber, tout en aimant beaucoup, beaucoup leurs parents. Quand je tombe ainsi, cela me fait voir encore plus mon néant. Et je me dis, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je deviendrais, si je m'appuyais sur mes propres forces. Je comprends très bien que Saint-Pierre soit tombé. Ce pauvre Saint-Pierre, il s'appuyait sur lui-même, au lieu de s'appuyer uniquement sur la force du bon Dieu. J'en conclus que si je disais, ô mon Dieu, je vous aime trop, vous le savez bien, pour m'arrêter à une seule pensée contre la foi, mes tentations deviendraient plus violentes et j'y succomberais certainement. Je suis bien sûr que si Saint-Pierre avait dit humblement à Jésus, accorde-moi, je vous en prie, la force de vous suivre jusqu'à la mort, il l'aurait eu aussitôt. Je suis certaine encore que notre Seigneur n'en
disait pas davantage à ses apôtres. Par ses instructions et sa présence sensible, qu'il ne nous dit à nous-mêmes par les bonnes inspirations de sa grâce. Il aurait bien pu dire à Saint-Pierre, Demande-moi la force d'accomplir ce que tu veux. Mais non, parce qu'il voulait lui montrer sa faiblesse et que devant gouverner toute l'Église qui est remplie de pécheurs. Il lui fallait expérimenter par lui-même ce que peut l'homme sans l'aide de Dieu. Avant sa chute, notre Seigneur lui dit, Quand tu seras revenu à toi, confirme tes frères. Cela voulait dire, persuade-les par ta propre expérience de la faiblesse des forces humaines. Je voudrais que vous soyez toujours avec moi. Vous êtes mon soleil. Je lui disais que je ferais valoir ses vertus plus tard. C'est le bon Dieu tout seul qu'il faut faire valoir, car il n'y a rien à faire valoir dans mon petit néant. Elle regardait le ciel par la fenêtre de l'infirmerie. Et Sœur Marie du Sacré-Cœur lui dit, Comme vous regardez le ciel avec amour, à ce moment, elle était plus fatiguée et ne répondit que par un sourire. Plus tard, elle me confia ce qu'elle avait pensé. On était rendu au 8 août. Ah, elle croit que je regarde le firmament en pensant au vrai ciel. Mais non, c'est tout simplement parce que j'admire le ciel matériel. L'autre m'est de plus en plus fermé. Puis aussitôt, je me suis dit avec une grande douceur, Oh, mais si, c'est bien par amour que je regarde le ciel. Oui, c'est par amour. Pour le bon Dieu, puisque tout ce que je fais, les mouvements, les regards, tout depuis mon offrande, c'est par amour. J'ai pensé aujourd'hui à ma vie passée, à l'acte de courage que j'avais fait autrefois à Noël, et à la louange adressée à Judith. Mais revenu à la mémoire, vous avez agi avec un courage viril et votre cœur s'est fortifié. Bien des âmes disent, mais je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice. Qu'elle fasse donc ce que j'ai fait, un grand effort. Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Après cela, le cœur se fortifie et l'on va de victoire en victoire. Si notre Seigneur et la Sainte Vierge n'étaient pas allés eux-mêmes à des festins, jamais je n'aurais compris l'usage d'inviter ses amis pour des repas. Il me semblait que pour se nourrir, on aurait dû se cacher, ou du moins rester en famille. S'inviter, oui, mais seulement pour se parler, se raconter des voyages, des souvenirs, enfin, pour des choses de l'esprit, etc. J'ai eu grand pitié des personnes qui servaient dans les grands dîners. Si par malheur, il leur arrivait de laisser tomber quelques gouttes sur la nappe ou sur l'un des novices, je voyais la maîtresse de maison les regarder sévèrement. Alors, ces pauvres gens rougissaient de honte. Et je me disais, tout révolté intérieurement, Oh, comme cette différence qui existe ici-bas entre les maîtres et les serviteurs prouve bien
qu'il y a un ciel où chacun sera placé selon son mérite intérieur, où tous seront assis au festin du père de famille. Mais alors, quel serviteur sera le nôtre, puisque Jésus a dit qu'il irait et viendrait pour nous servir? Ce sera le moment pour les pauvres et les petits surtout, d'être récompensés amplement de leur humiliation. 9 août. Je disais d'elle, il est abattu notre guerrier. Je ne suis pas un guerrier qui a combattu avec des armes terrestres, mais avec le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Aussi, la maladie n'a pu m'abattre, et pas plus tard qu'hier soir, je me suis servi de mon glaive avec une novice. Je lui dis, je mourrai les armes à la main. À propos de son manuscrit, il y en aura pour tous les goûts, excepté pour les voies extraordinaires. Vous êtes redevenu pour moi ce que vous étiez dans mon enfance. Je ne puis pas dire ce que vous êtes pour moi. On lui disait qu'elle était une sainte. Non, je ne suis pas une sainte. Je n'ai jamais fait les actions des saints. Je suis une toute petite âme que le bon Dieu a comblée de grâce. Voilà ce que je suis. Ce que je dis, c'est la vérité. Vous le verrez au ciel. 10 août. Elle regardait l'image de Théophane Vénard, épinglée au rideau de son lit. Cette image représente le missionnaire montrant du doigt le ciel. Croyez-vous qu'il me connaît? Regardez ce qu'il me montre. Il aurait bien pu ne pas avoir cette pose-là. On disait que les âmes arrivées comme elles, à l'amour parfait, voyaient leur beauté et qu'elles étaient du nombre. Quelle beauté! Je ne vois pas du tout ma beauté. Je ne vois que les grâces que j'ai reçues du bon Dieu. Vous vous méprenez toujours. Vous ne savez donc pas que je ne suis qu'un tout petit noyau, une petite amande. J'ai été dérangé et n'ai pu prendre l'explication qui a suivi. D'un air gai et si gentil en regardant le portrait de Théophane Ménard. Ah, mais, pourquoi dites-vous ah, mais? Demanda sœur Geneviève. C'est parce que chaque fois que je le regarde, il me regarde aussi. Et puis, il semble me guetter du coin de l'œil d'un air à moitié malin. On lui montrait une photographie de Jeanne d'Arc dans sa prison. Les saints m'encouragent, moi aussi, dans ma prison. Ils me disent, tant que tu es dans les fers, tu ne peux remplir ta mission. Mais plus tard, après ta mort, ce sera le temps de tes travaux et de tes conquêtes. Je pense aux paroles de Saint-Ignace d'Antioche. Il faut, moi aussi, que par la souffrance, je sois broyé pour devenir le froment de Dieu. Pendant matine,
Si vous saviez ce que vous êtes pour moi, mais je vous dis toujours la même chose. Je lui parlais du ciel, de notre Seigneur, de la Sainte Vierge qui y sont en corps et en âme. Elle poussa un profond soupir avec cette exclamation. Ah! Vous me faites comprendre par là que vous souffrez beaucoup de votre épreuve. Oui, faut-il tant aimer le bon Dieu et la Sainte Vierge et avoir ces pensées-là? Mais je ne m'y arrête pas. 11 août. J'ai toujours trouvé, ma petite mère, que vous mettiez trop d'ardeur à l'ouvrage. À propos du lavage, je lui disais qu'après sa mort, nous serions bien bonnes et que la communauté serait renouvelée. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé étant tombé à terre ne vient à mourir, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je ne m'attendais pas à souffrir comme cela. Je souffre comme un petit enfant. Je ne voudrais jamais demander au bon Dieu des souffrances plus grandes. S'il les augmente, je les supporterai avec plaisir, avec joie, puisque ça viendra de lui. Mais je suis trop petite pour avoir la force par moi-même. Si je demandais des souffrances, ce serait mes souffrances à moi. Il faudrait que je les supporte seul, et je n'ai jamais rien pu faire tout seul. La Sainte Vierge, elle n'a pas de Sainte Vierge à aimer. Elle est moins heureuse que nous. Elle m'avait dit cela à la récréation autrefois. Je prie souvent les saints sans être exaucé, mais plus ils semblent sourds à mes prières, plus je les aime. Pourquoi? Parce que j'ai plus désiré ne pas voir le bon Dieu et les saints et rester dans la nuit de la foi que d'autres désirent voir et comprendre. Elle nous avait raconté toutes sortes de choses sur le temps de l'influenza. Je lui dis à la fin, quelle fatigue vous vous êtes imposée et que vous avez été gentil et aimable. Sûrement, toute cette gaieté n'est pas sincère. Vous souffrez trop d'âme et de corps en riant. Jamais je ne feins. Je ne suis pas comme la femme de Jéroboam. Douze à août. Elle fit la communion. Adieu, mes sœurs. Je pars pour un lointain voyage. Allusion à mon départ pour ma retraite de profession. Regardant la photographie du père Belliard en soldat, à ce soldat-là qui a l'air si fringant, je donne des conseils, tout comme à une petite fille. Je lui indique la voie de l'amour et de la confiance. Depuis l'épi, j'ai des sentiments encore plus bas de moi-même. Mais quelle est grande la nouvelle grâce que j'ai reçue ce matin. Au moment où le prêtre a commencé le confitoire avant de me donner la communion et que toutes les sœurs l'ont continué, je voyais là le bon Jésus tout près de se donner à moi. Et cette confession me paraissait une humiliation si nécessaire. Je confesse à Dieu
à la bienheureuse Vierge Marie, à tous les saints, que j'ai beaucoup péché. Oh oui, me disais-je, on fait bien de demander pardon pour moi en ce moment. Adieu à tous les saints. Je me sentais comme le publicain, une grande pécheresse. Je trouvais le bon Dieu si miséricordieux. Je trouvais cela si touchant de s'adresser à toute la cour céleste pour obtenir par son intercession le pardon de Dieu. Ah, j'ai bien manqué de pleurer, et quand la Sainte Hostie a été sur mes lèvres, j'étais bien ému. Que c'est extraordinaire d'avoir éprouvé cela au confitoire. Je crois que c'est à cause de ma disposition présente. Je me sens si misérable. Ma confiance n'est pas diminuée. Au contraire, et le mot misérable n'est pas juste, car je suis riche de tous les trésors divins. Mais c'est justement pour cela que je m'humilie davantage. Quand je pense à toutes les grâces que le bon Dieu m'a faites, je me retiens pour ne pas verser continuellement des larmes de reconnaissance. Je crois que les larmes que j'ai versées ce matin étaient des larmes de contrition parfaite. Ah, comme il est bien impossible de se donner soi-même de tels sentiments. C'est le Saint-Esprit qui les donne, lui qui souffle où il veut. Nous lui parlions des résistances qu'elle avait faites autrefois lorsque nous la conjurions de se ménager, de ne point se lever à l'heure de la communauté, de ne pas aller à matine. Elle nous dit, vous ne me compreniez pas quand j'insistais, mais c'était parce que je sentais bien qu'on essayait d'influencer notre mère. Je voulais dire toute la vérité à notre mère, afin qu'elle décide d'elle-même si, d'elle-même, d'elle-même. Je vous assure que si d'elle-même elle m'avait même demandé de ne pas aller à la messe, à la communion, à l'office, j'aurais obéi avec une grande docilité. C'est inouï. Maintenant que je ne puis plus manger, il me prend des envies de toutes sortes de bonnes choses, comme du poulet, des côtelettes, du riz à l'oseille, du dimanche, du thon. Vous pourrez dire de moi, ce n'est pas en ce monde qu'elle vivait, mais au ciel, là où est son trésor. Ce sera tout pour cette vidéo. Nous serons rendus la prochaine fois au 13 août, à la page 152. Bon, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Bonne journée.